Aujourd'hui, dans 100% horreur, Sadako. Non, ça, les gars, c'est l'américaine Samara. Non, ça, c'est pas elle non plus, je suis désolé. Cindy, cette pauvre prend mon tapis pour ses chiens! Ah, ça, c'est la vraie Sadako. On voit pas son visage, elle reste mystérieuse, et c'est probablement l'un des fantômes les plus connus de tous les temps, avec, je sais pas moi, Casper. Ouais, on n'est pas sur le même genre de fantôme. En tout cas, s'il y a un fantôme qui a marqué la pop culture, en présentant la J-Horror au monde entier, et même en marquant la représentation que nous avons des fantômes japonais et leur image, en inspirant tout un tas de clones, c'est bien Sadako. Désolé Kayako. Personnage originaire d'un best-seller, et popularisé et rendu culte par son adaptation au cinéma Ringu, sorti en 1998 par Hideo Nakata. Et après ça, on veut vous faire croire que les no-slashers ont gâché le cinéma d'horreur dans les années 90, non mais je vous jure. Le côté légende urbaine de Sadako avait pour l'époque un aspect presque moderne et effrayant, avec la malédiction virale liée en quelque sorte à la technologie, et qui peut être transmise par VHS. Ce qui a fait que dans les suites, on a même transporté le concept jusqu'à Internet. Et alors que Sadako rejoint aujourd'hui officiellement Dead by Daylight, je propose de se pencher sur le lore que le jeu a décidé d'écrire pour elle et de le lire. Tout en sachant que j'ai fait cette vidéo en avance et que je n'ai pas participé au PTB, cela veut dire par conséquent que j'ai récolté les textes en français mais pas tout, donc j'ai aussi dû traduire une partie. Ne vous étonnez pas si cela diffère un peu de la traduction officielle du jeu sur quelques points, mais l'esprit est là. L'histoire reste fidèle. L'esprit est là. Esprit, Sadako, tout ça, vous avez compris? Ouais, non, en fait, juste sur ce coup-là, je suis pas sûr de moi. Maintenant, si vous êtes prêts à être maudits, c'est parti. Tant que vous ne voyez pas la vidéo, cela devrait aller, n'est-ce pas? Sadako Yamamura, une Onryo puissante et mortelle, était la fille d'une célèbre voyante d'Izu, Oshima, au Japon. Sa mère laissa de nombreuses questions sans réponse dans sa ville natale. Les marins détestaient la façon dont sa mère passait ses journées sur la plage, les yeux fixés sur les vagues écumantes de la mer. Certains disaient « jeu d'eau de mer, spectre en vue. Si tu passes tout ton temps à jouer dans l'eau, les fantômes t'emporteront. » 9 mois plus tard, Sadako naquit. Dans son enfance, ses immenses pouvoirs semblaient impossibles à contrôler et éclataient sous la colère. Ceci devint apparent quand elle fut incapable de contrôler sa rage au cours d'une démonstration publique des pouvoirs de sa mère. Lorsqu'un journaliste traita sa mère d'imposteur, les pouvoirs de Sadako déferlèrent, et le journaliste s'effondra sur le sol, frappé par la mort. Puis tout s'est mal passé. Sa mère décéda, et peu de temps après, Sadako fut attirée vers un vieux puits en ruine. Alors qu'elle se penchait sur le rebord, une longue ombre tomba sur elle. Elle se retourna et une soudaine secousse de douleur la frappa au-dessus de la tête, la lui ouvrant. Sa vision s'assombrit, et son esprit tourbillonna dans l'inconscience. Elle sentit deux mains la pousser par-dessus le rebord. La douleur explosa dans son crâne alors qu'elle touchait le sol froid. Un bruit de grincement est venu d'en haut, et le puits s'est obscurci. Toute lumière obscurcie, comme une éclipse de midi. Chaque centimètre de son corps hurlait de douleur, et c'est en levant les yeux qu'elle vut la seule issue. Elle enfonça ses ongles dans le sol boueux, et rampa lentement vers le mur pavé. Elle s'agrippait aux pierres pour grimper, mais n'avait ni prise, ni force, en s'agrippant. Chaque fois qu'elle remontait cette paroi de quelques centimètres, ses ongles glissaient contre le mur humide, et elle retombait vers le bas. Ses doigts jaillirent de sang alors que le pavé grossier lui arrachait les ongles et lacérait la chair en dessous. Et pourtant, elle essayait, encore et encore. Des décennies plus tard, la prairie est devenue une station balnéaire, et une cabane en rondin a été construite au-dessus du puits. Lorsqu'un visiteur a loué le chalet, Sadako a trouvé l'opportunité de se venger. Elle invoqua tout son pouvoir Nensha, et elle a réussi à projeter une terrible malédiction sur une bande vidéo qui a tué son spectateur au bout de 7 jours. Sa colère était comme les marées d'une mer orageuse, violente et impitoyable. Alors qu'elle plongeait dans une fureur, un brouillard sombre s'enroula autour de ses pieds. Le bruit des vagues déferlantes résonnait au travers du vieux puits de pierre. Soudain, une onde de marée s'est abattue sur les murs de la cabane, détruisant ses bûches en un torrent de boue et de crasse. Le courant noir a inondé le puits en dessous et a immédiatement avalé Sadako.
Lorsqu'elle ouvrait les yeux, elle se tenait sur une plage, face à un vaste océan orageux. Un épais brouillard noir caressait la surface de l'eau. Sadako entra dans une vague à venir et disparut lentement dans le brouillard opaque. Mais le lore de l'univers Ringu dans DBD n'est pas fini. Le survivant qu'ils ont ajouté est assez surprenant. Ce n'est pas la Final Girl, héroïne et survivante du premier film, Reiko Asakawa. Elle était aussi dans Ring 2 et les mangas. Même si elle fut envisagée pour le DLC, ils n'ont pas réussi à obtenir l'accord pour utiliser le visage de l'actrice. Bon, pourtant, ça ne les avait pas arrêtés pour Laurie Strode. Hein. It's too perfect for you to either play as Mike or to play as yourself. Non. Bref, c'est donc le fils de Reiko, Yoichi, qui a été choisi, et j'ai bien une idée de blague, mais l'enchaînement serait beaucoup trop facile. Le fait est que Yoichi est un enfant dans le premier film, et que pour Dead by Daylight, ils ont voulu nous proposer une version inédite de ce même personnage, qui a bien grandi. Dans son enfance, Yoichi développa un intérêt pour le surnaturel, par son père et sa mère, quand une inexplicable malédiction leur coûta la vie. Devenu adulte, Yoichi décrocha son diplôme avec les plus hautes mentions en biologie marine dans une université de Tokyo, et suivant les traces de son père, il devint le plus jeune professeur de l'histoire de l'école. Mais sa carrière commença à se détériorer, lorsque deux de ses étudiants disparurent en effectuant des recherches à Aizu Oshima. La seule mention d'Izu Oshima déclencha de douloureux souvenirs du passé. Des souvenirs dissimulés, profondément enfouis, remontèrent comme des bulles des abysses sombres et ténébreux de son inconscient. Des visages flous sur des images, des bouches tordues, des morts inexplicables envahirent soudain son esprit. Les hurlements des gens le traitant de monstre, et alors, le monstre, Sadako, surgit des abysses pour l'aviser que la malédiction n'était pas finie. Elle ne le saurait jamais. Yoichi ferma les yeux en criant, et laissa lentement sa peur le quitter. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Sadako avait disparu, mais quelque chose était revenu. Quelque chose de menaçant et de surnaturel. Il pouvait sentir une présence perturbante près de lui, respirant profondément, comme la mer montante. Était-ce Sadako qui le tourmentait? Était-ce un esprit qui tentait de le mettre en garde? Ou était-ce autre chose? Quelque chose qui dévorait les gens? Quelque chose qui les faisait disparaître? Yoichi n'en était pas sûr. Il avait passé sa vie à tenter de comprendre ses capacités psychiques et le surnaturel. Son instinct lui disait que les réponses étaient liées à l'eau. Il avait, après tout, consacré sa vie à l'étude des vies intelligentes et des royaumes inexplorés au sein des océans. Peut-être avait-il besoin de réajuster sa définition de l'intelligence ou sa définition de la vie. Désirant ardemment la vérité, Yoichi se lança dans des recherches frénétiques en marge de la parapsychologie, de la cryptozoologie, de la théologie et des histoires populaires. Plus il étendit son champ d'expertise, plus il fut ridiculisé et ostracisé. Autrefois perçu comme un jeune et brillant esprit, Yoichi fut désormais considéré comme un excentrique et un fardeau. En quelques mois à peine, l'université mit fin à son poste. Yoichi ne se laissa pas décourager et chercha des chaires d'enseignement dans d'autres écoles, mais aucun établissement supérieur honorable au Japon ne l'accepta. En dernier recours, il approcha des organes de presse, et par un coup du sort, l'entreprise où sa mère avait travaillé en tant que journaliste lui proposa de financer ses recherches en échange d'articles et de la priorité sur les droits d'édition de son histoire. Au cours de cette période difficile, le père de Yoichi revint vers lui, son esprit l'incitant en silence à poursuivre la voie qu'il avait choisie. Et donc, travaillant jour et nuit dans son minuscule appartement de Tokyo, il fit équipe avec d'autres chercheurs du paranormal. En quelques mois, il tomba sur une histoire qui faisait écho à la disparition de ses étudiants. 4 vlogueurs avaient mystérieusement disparu près d'un phare en Écosse. Animé d'un immense sentiment d'urgence, Yoichi prit le premier vol disponible pour Glasgow. Un professeur d'université locale était parvenu à plusieurs de ses propres conclusions 70 ans plus tôt, quand une équipe de tournage disparut près du même phare. Il y avait une forme d'intelligence dans l'eau, une forme de ténèbres appelant de la mer comme une sirène ancestrale. Alors que Yoichi examinait les recherches, son père lui apparut soudain pour l'aviser qu'il était sur la bonne voie. Guidé par son père, Yoichi affréta un bateau de pêche et se dirigea vers un petit chapelet d'îles connu sous le nom des 7 chasseurs. Les ténèbres tombèrent alors qu'ils approchaient des îles. Le phare, désormais automatisé et contrôlé à distance, crépita et disparut complètement comme une étoile mourante. L'océan se mit à s'agiter violemment. Des éclairs se manifestèrent et le pêcheur supplia à Yoichi de rebrousser chemin. Mais Yoichi refusa. Il était trop près et rien ne le découragerait. Alors qu'ils se disputaient, l'océan rageait et secouait le bateau. Alors une vague géante souleva le bateau, aussi haut qu'une maison, et le fracassa sur des rochers noirs et tranchants.
Yoichi ne se rappela plus grand-chose après ça. Il se rappela être retombé à l'eau. Il se rappela avoir nagé jusqu'au quai où il vit son père à la rambarde du phare, lui faisant signe de venir. Il se rappela avoir titubé à travers une brume sombre et épaisse, alors qu'il montait les marches. Il se rappela le niveau de l'eau, montant à chaque pas, jusqu'à ce que l'océan déchaîné l'avale complètement. Et voilà, nous en avons fini avec ces histoires. Il y a quand même un gars qui s'est plaint auprès de moi que des BD ça s'éloignait trop du slasher. Mais vu le respect apporté aux licences, et la volonté que ça soit une sorte de Hall of Fame of Horror, je ne vois pas le problème. Je trouve ça plutôt cool ce gigantesque crossover à la Smash Bros pour les fans d'épouvante, même s'ils sont malheureusement loin d'être les seuls qui jouent au jeu, et que certains semblent ne jurer que par la compétition. Je trouve que DBD soigne particulièrement, que ce soit au niveau du lore ou du gameplay, leur collaboration, pour que ça respecte le film qui est adapté. Par exemple, on m'a sorti que Pinhead ne chasse pas ses victimes, mais en même temps dans le jeu, vous ne le voyez pas non plus faire un jogging. Vous pouvez l'invoquer avec le cube des lamentations, il peut attaquer à distance grâce aux chaînes, et tout comme les films, si vous avez utilisé le cube, il vous suivra. On m'a dit non, mais dans le 3, c'est ses cénobites qui poursuivent, arrêtent. Oui, mais non, Pinhead, il se déplace quand même jusqu'à l'église, les gars. Il n'est pas du genre à lâcher ses victimes. Tout ça pour dire que ouais, avec le concept de la vidéo, Sadako, ils l'ont adapté de manière fidèle, respectée et bien exploitée. Et maintenant que vous la connaissez mieux grâce à ma vidéo et mes explications sur son passé, qui sait, peut-être aurez-vous une chance contre elle là-bas, dans la brume. Enfin, ça, c'est surtout si c'est pas moi qui la joue, hein. Mais bon, elle vaudra jamais Ghostface. J'adore les films avec des poignards, c'est si réaliste. Y'a ni aliens, ni zombies, ni fantômes de petites asiatiques, c'est plus flippant. Ah bah voilà une bonne chose de faite, une vidéo sur Sadako et pas une seule malédiction à l'horizon. Oh merde! C'est qui en... Bon bah j'ai parlé trop vite.